dans le Londres populaire et bon enfant des années 20, alors qu'une joyeuse atmosphère semble imprégner le cœur des jeunes filles en fleurs et combler de bonheur les plus humbles familles, le vengeur, un sordide tueur en série, gâche la fête en s'en prenant régulièrement à de belles blondes. Journaux et radios s'empressent de faire circuler des informations sur le mode d'action et le probable profil de l'assassin. Une peur latente commence à s'étendre sur la ville. C'est alors qu'un soir, un étrange inconnu se présente dans la pension de Mrs. Bunting pour y louer une chambre. Très vite, le comportement quelque peu asocial de ce nouveau locataire. Il ne quitte sa chambre qu'à la nuit tombée. Son port altier, son regard tourmenté, associé à l'irrésistible intérêt qu'il nourrit à l'égard de Daisy, la jeune fille blonde de la maîtresse de maison, attire sur lui la suspicion. L'ombre de Jack planera doublement sur les écrans, car ce film muet du maître du suspense, Alfred Hitchcock, sera accompagné d'une musique composée et interprétée par Jacques Cambra, le pianiste peut-être le plus inquiétant du XXIe siècle.